Ah oui, 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 on l'avait déjà remarqué. Alors, deux confrontations déjà cette saison entre les deux équipes. Les Catalans ont emporté chez eux 30-14, alors que les locales l'ont emporté 28-4 à Mazicoul il y a quelques semaines. Et ma foi, en début de match, virulent avec sur ce coup d'envoi, le troisième tenu ici. À toi pour les... Voilà, Louise Atouman. Voilà. Avec du jeu simple. Pas de prise de risque à ce moment-là. Alors voilà, là je crois qu'on arrive au cinquième tenu. Ici. Donc on va voir. C'est le cinquième. Il me semble-t-il. Voilà, c'est là le cinquième. Elisa Syria. Avec une belle montée défensive de l'Espagne. Voilà, surtout qu'elle monte bien ensemble. Ah, non avant. L'option est choisie avec Manon Samara. Manon qui avait réalisé un quadruplé, 4 essais l'autre jour à. Oui, tout à fait. À Mazicoul. Très très exploité par l'équipe. Oui, oui, oui. Et Lisa aussi qui se retrouve pilier et qui a aussi un beau tempérament, oui. Heureusement elle s'est allée en arrière, donc pas de problème. Encore Manon, bravo, bravo, beau décalage. Oh, si elle sait, si elle fait la passe, c'est dommage, c'est dommage. Dame, elle a certainement porté sur un appui de trop. Et donc, il n'a pas pu le passer. Trois joueuses. Allez, si ça va au bout là-bas, il semblerait qu'il y ait vraiment de la place. Ah, ouais, elle fait du travers. Elle va y aller. Oh, il y a, là aussi. Eh bien, il aurait mieux valu qu'elle redresse sa course. Et deux belles occasions qui auraient pu se conclure pour les Albigeoises, pour les... Pardon. L'Escurienne. Et pour les Lescuriennes. En 3 minutes, bon, allez, espérons qu'il y aura moins de déchets pour la suite, et que... Enfin, allez, bon. Oh. Une belle, belle défense. Ah oui, une défense, c'est là qui... Perrine, Il y a des filles expérimentées, il y en a des deux côtés, mais c'est vrai que Perrine fait partie, évidemment, chez les Lescuriennes, hein, des filles qui ont un petit peu d'expérience. Ils viennent de mettre un magnifique caramel. Se sont retenus quand même de ne pas complètement retourner et de faire tomber sur la tête leur adversaire, parce que là, il y aurait eu jeu dangereux. Allez, chez les Catalanes, on monte un petit peu en défense inversée, ce qui a interdit la passe à l'extérieur des Catalanes. Donc au centre du terrain ici, on repart ici sur le côté droit. Et voilà donc. Voilà. Et Manon. Les bras de Manon Samara. Oui, oui, mais Manon. Qui échappe à un premier plaquage. Je ne sais pas si elle fait pareil quand elle a un garçon dans les bras, mais quand elle a un ballon, elle ne perd jamais. C'est ça qui est bien. Mais c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Hein. Tout à fait. C'est oui, mais nous sommes très sérieux, mesdames et messieurs. Hein. Voilà. Allez, Louisa. Regardez Louisa qui va mettre à l'avant le turbo. Et personne ne l'a su. Elle est poursuivie. Elle atteint le bout. Aïe aïe aïe, elle est reprise, dans entre la zone des 20 et 30 mètres. Et il n'y a eu personne, pour la suivre. Il est vrai que. Elle a, oh là aussi. Eh bien, ça pourra faire mal, mais il ne faudra pas bandager. Ça fait quand même deux, trois occasions en 6 minutes. Il manque un peu de soutien peut-être. Oui, c'est ça, Et alors comme on a cette match, il ne faudrait pas qu'il y ait moins d'occasions finalement les Catalanes puissent conclure. On dit ça évidemment, c'est pas. On leur souhaite, elle aussi. Le petit, allez, le petit. De bien réussir. Mais... Allez Gaël, allez Gaël, allez. C'est. Allez, il y a quelques petits regrets ici. Match plaisant, et entre les deux équipes de toute façon qui dominent ce championnat,
le championnat, d'ailleurs, même qu'on pourrait regretter qu'il n'y ait pas d'autres, beaucoup d'autres équipes, mais c'est ainsi. En tout cas, régalons-nous de voir nos filles ici nous proposer ce match dans les meilleures conditions qui soient. Attention, vous voyez, première incursion des Catalanes dans les 20 mètres. Ouais. Et regardez, ça va y aller là, voilà. Voilà. Ah, oui. C'est Borat, la 23, qui donc a bousculé tout le monde sur son passage. Et puis surtout, la défense s'était mise, t'as vu, dessous. Première fois dans 20 mètres. On essaie de transformer dans la dernière phase. Ouais, Manu. Parce que c'est dommage d'avoir fait tout le boulot et de gâcher l'occasion d'essai juste au moment de. C'est deux du coup. Ah, ceci dit, effectivement, un essai. Après, c'est rien. Très beau contrôle hein, de la part de Gaël Alverne et de Dorim Samara sur le plaquage. Hein. Voilà. Bien la joie du sol. Ici. On essaie de mettre les joueurs du département sur le dos. Voilà, là, ça a mis le ballon sur un espace restreint, mais la défense aussi, bien sûr. Ne sait pas du tout qui laisse surprendre. Oui. Oh, et là, c'est pareil, non? Ah oui, là, il y a une joueuse qui. C'est Ramon Samara qui fait la passe à Jeanne Bernard. Louisa, elle rentre toujours avec beaucoup de bon cœur. C'est une joueuse très rapide, très puissante. Oui. Ah oui, je pense peu. Voilà. Ah, allez, il va falloir ne plus pêcher comme cela, profiter du fait d'être encore dans les 50, même si le ballon maintenant est catalan, et que bien sûr elles vont avoir à cœur de progresser, de s'approcher de la tête de là, mais il faut essayer de s'y retenir, bien entendu, de récupérer le ballon. C'est une défenseuse. Et Logi qui est déjoué à ce deux tiers jusqu'à présent. Voilà, ça va être un peu mal également. Elle est bien, Louisa, non, Manu? Pour partir en Ligue 2, on a fait un deux tiers. Elle a été libérée via sa licence et elle a joué le groupe de cette défenseuse. Alors, est-ce que vous allez avoir? Oui. Allez, bien. Elisa qui est libérée de la défense. Et là, il faut suivre les filles, il faut suivre. Voilà, elle n'avait pas de solution de passe, alors évidemment, elle avait la solution de garder le ballon. Ce qu'elle a fait, ce qui était simple, et là, le ballon. Avec sa ligne de défense. Bon, je vois que les Catalans ne sont pas en reste aussi. Oh, il y a le ballon. Manu, j'ai oublié de dire à Manon d'aller mêler pour qu'elle se troisième ligne et qu'elle aille vite derrière après. Ah ben ok, et là, vous voyez, dès la deuxième passe également. Est-ce que ce ballon... Non, c'est la Hop. Oh, oui, donc ça l'a pas... Oui. Ah ben c'est-à-dire que rugby... Voilà, hein, il faut pas s'arrêter à la première petite déconvenue. Oui, là c'est parti. Ah, oh là, Gaël, là aussi, toute sa puissance, c'est ça. Alors elle mobilise 3-4 filles. Voilà, non, là, il faut aller passer là, alors de la bus, ça ne passe pas, vous entendez, tenez les filles. Voilà, écartez. Oh, Gaël. Quel dommage. Ce nouvel en avant dans les 10 mètres et une nouvelle occasion. Descendez au bout de menton. Très bon.
Et là, évidemment, deux joueuses très expérimentées internationales. Et Noémie. Et ses filles, effectivement, sont oui, c'est il va falloir. Dans la défense, non, que l'on remarque de grosses erreurs, mais c'est dans la transmission du ballon à temps et tout, et qu'il y a eu ces ballons perdus en cours de route. Ouais, c'est bon, je pense qu'on est pas mal là. Voilà. Ah ouais. Allez, Roland donc a eu la. Voilà, très bien. Redresse sa course, c'est très bien. Très, très bien. Ah, et puis ça permet à son côté. Et puis, ouais, je vois donc Audrey Mesquita. C'est une fille que je vois en progrès, moi, sur le genre de secteur. Et elle va à la pop. Manu, comment est Louisa? Comment est Louisa? D'accord. Louisa, rentre pas, de dos. Les gars, le 13. Ah, d'accord. Donc, qui amène toute cette expérience. La vitesse périlleuse. Elle était venue, Audrey. Elle a toujours été ici. D'accord. Chasse! Il demande une faute, hein. Elle semble avoir l'air gelée dans sa main. Ouais, ouais. Donc, je vais aussi faire. Faut le faire, moi, je vais le faire. Comment va Dodo? 60 pousses des ailes et c'est là. Vitesse, allez! Et comment va Gaëlle? Et Gaëlle? Regardez là-bas aussi le très beau jeu de cette centre qui, encore une fois, va peut-être prendre tout le monde. Non, elle est prise et reprise par Manon. Mais c'était juste parce que Solélière avait suivi la main et c'est elle qui tout à l'heure avait conclu. Et là aussi, voilà, développe leur mouvement jusqu'au bout. Aïe, nous revoilà dans les 10 mètres. Heureusement que pour nous tenir les femmes, il n'est pas sauf l'eau, que va dire non, l'arbitre ne dit rien. L'arbitre ne dit rien puisque c'est. Si, l'arbitre avait dit zéro. Non. Zéro. Non, parce que c'est une. Il aurait pu y avoir une faute de l'Espérienne qui a fait, à quelque sorte, intentionnellement tomber le ballon, mais comme le ballon restait dans les mains catalanes, et l'avantage leur revient. Pour son engagement, voilà une fille qui certainement est appelée à devenir une très très bonne joueuse, mais qui est un petit peu nouvelle dans sa pratique, et qui est un apprentissage. Chaque fois, elle est là, 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 elle est là,
Elle est repoussée par le plaquage. Oui, les filles défendent sur le. Et malheureusement, ça passe quand même. Il y a pourtant. Oui. Difficile, mais très beau coup de pied. Non, malheureusement. La meilleure preuve, c'est sur l'excellent match qu'elles avaient livré à Mazicou. Elles sont allées de cette forme-là. Voilà, la thèse est extrêmement virulente, pour la définition du terme. Hein. Mais donc, pas que là. Oui, elle s'en fait mal à la défense, elle s'en fait mal. Donc, alors, il faut y être là, face à. Le très beau gabarit de Jessica Biasay, hein, qui aussi. Allez. L'attaquant se déploie ici sur la droite. Sur la façon dont elle se montre vraiment tranchante sur ses actions. Elle montre vraiment le chemin à ses copines. Hein. Allez. Oui, elle travaille très dur. Hein. Alors là, ce coup de pied à 37e tenue, malheureusement, elle a échoué dans la courbe défenseuse et il aurait fallu tourner un tout petit peu au-dessus, sans qu'il ne soit trop long. Enfin, bref. Parce que si on commence joue, à... Joue. Oui. Allez. Et alors là... La remise en jeu, alors là, une excellente opportunité, la tête de mettre, on fait... Ça fait donner donc... Au bureau. L'attaquant s'est déployé sur ce côté. Excellent. Oui, malheureusement. 34 minutes. Pour contrôler le ballon, elle n'a pas pu dégager ses points. Elle a été prise. Comme une histoire de ballon, et donc elle n'a plus. Ah oui, là par contre, et voilà, Luisa. Fais le changement maintenant. Alors, pourquoi on est là? Parce qu'on s'aurait pu voir sous les yeux cette jeune joueuse, club, hein, général, et donc, je ne sais pas. 6 minutes. Emma qui a vraiment de la puissance. Oh, c'est quoi ça? Oh Manu! C'est quoi ça? Une fille qui a beaucoup de puissance. C'est quoi elle sort? Allez. Voilà. Allez, là on va. Ouf! Ah oui. Mesdames et messieurs, ce n'est pas un spectacle de danse classique aujourd'hui. Hein, c'est du rugby pour vous assister. Regarde! Elle saute comme dans la cage et si elle n'est pas reprise par le maillot où elle passe, donc autant dire qu'il ne manquait pas grand chose pour passer. Et elle peut être le facteur X de cette équipe, effectivement. Oui, bien, qui est très en forme. Oui. Nos amis, voilà. Ouais, les coups de pied, c'était Elisa, tu m'as ravi, c'est bien compris. Elisa, tu veux dire qu'elle passe le coup de pied loin.
impacts de la barre. Voilà, on l'entend très fort derrière nous, vous l'entendez. Alors là, vous voyez, ce ne sont pas les seuls, les Asturiennes, à faire des erreurs, des approximations. Même si là, les Catalans reprennent in extremis un ballon qui avait roulé au sol. Ouf, arrêt du fait. Bien du fait. Et plaquage au nous. Laisse sortir, c'est direct, c'est direct. Oh, c'est direct. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, là, on va garder le de la mi-temps. Ah oui, une défense agressive aussi des Catalans, non ? Il est bizarre. Ce sont des joueuses qui apportent vraiment un côté spectaculaire, un côté dynamique. De joueuses emblématiques comme Lucie Cancé, tout qui ont beaucoup fait d'ailleurs au niveau du remboursement, du recrutement. Lucie Cancé, ça a été une des joueuses qui a aussi oui. Voilà, remonté l'équipe, puisqu'il y avait une passe où le club n'avait plus d'équipe féminine. Hein. Oui, tout à fait. Ok, laisse comme ça, on va périr. Voilà. Et puis on voit combien. La famille est impliquée puisque un des deux co-entraîneurs, le mettons du ressort. Voilà, tout à fait. Ah, alors attention. Ah, c'était tout proche. Allez, alors est-ce qu'on va lancer une bombe comme Lisa, effectivement, qui prend du champ et qui mérite de jouer tout à fait lancé. Ouh. Oh. Et oui, malheureusement, Louisa a été gênée par une de ses collègues qui était devant et on a considéré à juste titre, c'est une faute. C'est un. Jeannot est mort. Comment dit-on, Jeanne. Un écran, voilà. Mais là, effectivement, c'était un peu trop téléphoné. Elle était. Voilà. Il faudra mieux la poser. C'est aussi d'apprendre à se positionner, de prendre vraiment des ballons à pleine vitesse et donc devenir extrêmement dangereuse. Et voilà avec Emma Estebanez notamment, elles ont un voilà, sur ce plaquage. Mais regardez comment les Catalans, qui arrivent, cette joueuse, très rapidement. Et voilà, 15 mètres pour la contrôler. Et les voilà donc dans nos, au niveau de nos 30 mètres. Oui, c'est les gantillards à Clé tout à l'heure qui fait beaucoup d'incertitudes dans la défense. Mais oui, et regardez là, cette 19. Nous semble, enfin, heureusement qu'on était. Des fois la perspective est troublante, mais on voyait un boulevard devant Noé, Pauline Noé, mais les tours s'est resserré sur elle. Heureusement que sur ce plaquage, on va empêcher la joueuse catalane de transmettre, parce qu'elle avait encore des partenaires sur le flanc droit. Mais n'empêche, alors heureusement, c'est le 5. Attention! Que ce ballon, alors ça ne peut pas déclencher. Donc, c'est direct, les armes. Ah, là, le ballon, évidemment, elle n'en demandait pas autant, Elodie Patil, que d'avoir le ballon dans les bras.
en marche avant ici. Allez, allez. Voilà, il va falloir défendre le chemin déjà dans nos 10 mètres. Il va falloir monter vite. On n'en est qu'au second tenu pour les Catalans. Le troisième, Luisa Sicole avec Sarah. Voilà. Alors heureusement qu'il y a une passe un petit peu incertaine là. Ah, et il a 23. Elle y va encore et ce sera son troisième essai. Sans aucun problème. Voilà ce qui arrive. Regardez là, la prise de balle. Et donc toujours, on le dit, Takumi qui passe le ballon, voilà. Il est allé à la corde, mais qui n'a pas servi là, mais bon, qui a progressé. Bon. Ici, il s'agit de Tony Benoît. Alors voilà, on reste le jeu vers le centre du terrain ici. Une place blonde un peu pour éviter ça, c'est très important. Très important. Passe Nancy, voilà, pas très bon escient, mais elle a passé à l'arrière. Ce ballon ne peut être repris par une coéquipienne. Ceci dit, voilà. Les Catalans ne progressent pas sur cette action. Mais là, regardez comment joue. Alors, on... allez. Là, oui, Manon Samara qui évite le plaquage, qui ensuite elle se sort. Manu. Allez, on change de salle, on revient ici sur la droite. Si jamais elle se sent à l'aise, elle se sent pas à l'aise ou qu'elle a mal, qu'elle tourne oui, avec Manon. Très bien, très bien. Ça va bien, on passe d'Elisa Syria. Donc, en fait, une nouvelle passe encore ici. Ça revient sur la droite. Oui, oui, Gaëlle a bien fait. Non, mais elle a. Gaëlle, justement, est une joueuse très habituée. Voilà, joli, joli, très beau. Aïe. Et projeté en touche, donc ballon rendu du coup avec Tony Benoît à la corne. On serre sur l'autre aile. Voilà, un jeu quand même assez fluide hein, de la part des Catalans qui passent le ballon. Hein, oh. Absolument, absolument, absolument. Seulement ça fait passer d'une quinzaine de mètres là, sur ce entre les deux tenues. Et là, au ras des tenues. Ah Louisa veillait. Manu, il va falloir checker dodo, je pense. Hein. Il va falloir checker dodo. C'est deux. Qui a fait la passe. Ah, attention ici, ça c'est bien souvent l'erreur. Et heureusement que ce n'est pas le cas ici. Bien sûr, Louisa a été prise par Takumi, qui est une joueuse expérimentée, qui est venue au plaquage là. Très belle action donc de. C'est dommage, un ballon encore perdu par les locales. Et là, voilà, un très bon service de Pacule jusqu'à l'aile et ça avance encore. Alors on est bien au niveau de la défense, hein, mais bon. Parce que voilà. Elle avance, elle a essayé d'arracher le ballon.
jeu qui... C'est les filles par lesquelles une brèche... Oui, il y a que c'est dangereux de ne pas prendre ses ballons. Et oui, et voilà, arrive ce qui devait arriver, un essai de Malon Bonnet. Enfin, c'est extrêmement important, ces ballons bottés, puisque évidemment, il n'y a pas souvent un grand monde derrière en couverture. Et si on ne croit pas un ballon lorsqu'il retombe, oh là là, ça devient très dangereux. Oui, Louisa, pourquoi tu t'étais arrêtée? Louisa était à un moment en hauteur. Certes, là, oui, monte Louisa. Voilà, on a envie de dire aux lascuriennes d'être dans le mouvement, de suivre la porteuse du ballon. Oui, aïe, 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 dommage, dommage là. Dommage, et regardez, on voit toute la puissance et la science du jeu. Celui-là, ce style. C'est mal, hein, la marque 3-7. Et le chipé au masculin, qui ne semble pas en mesure de faire une chose. Là, malgré le blocage de la joueuse, et elle a pu transmettre une fois. Une seconde fois ici, elle était tentée, je parle de Hélène Abissavi, de passer le ballon. Mais effectivement, là, elles font mal en puissance sur ça. On sent que le terrain. Ça, c'est plus, c'est plus facilité. Ah, voilà, là on revient à voir un décalage qui va faire très mal. Et heureusement que la défense est revenue. Mais on a vu une situation de danger là, incontestablement. Oh là, ça s'appelle prendre deux adversaires en même temps, ça fait beaucoup. Et voilà, donc on va donner l'occasion de gagner. Oh, qui est un peu dévié. Voilà. Et qui sort pas. Oh, aïe. Alors ça c'est quand même rendre le ballon à l'adversaire. Aïe. C'est dommage. Il fallait... C'est rendre un ballon tout simplement, puis regarder un petit peu comment Elodie Pacune est efficace, comment elle... Si peu qu'elle soit en mesure de passer son ballon, ça peut faire très mal. Alors là... Alors, on insiste sur cette ligne, prenons un passage à la 4. C'est pas la première fois, et heureusement qu'il y a un retour rapide, notamment de Louisa. Il revient très vite par l'arrière pour la plaquer à 1 mètre de la ligne, autrement, sans plaquage offensif. Pense à une chose, on est à 2 points du bonus. Qui prend le trou, Il reste longtemps, mais on a 2 points du point de bonus quand même. Ok, faut pas qu'on s'éloigne trop. Ah. Inch'Allah. Aïe. Oui, allez. Il faut y penser quand même. Louisa s'est ressaisie, elle a gardé son ballon. Et elle a fait quand même 10-15 mètres. Elle avance. Parce que... Manu, attends. Elle a dû nous parler de la puissance. Il faudra faire tourner Laura aussi, sinon on n'a pas le talent. Après, je pense à Alessandre, on va faire quand même. Voilà, ce changement. Oui. Oh, là aussi. Allez, là-haut. C'est la première fois que l'on voit un très bon comportement de Léa aussi. Dommage, elle avait Dorine Samara. Et voilà. Voilà comment on se fait carotter un ballon. Mais c'était téléphoné cette passe. Il faut savoir aussi, c'est très bien quand on peut faire une passe au flotte, mais il ne faut pas la faire. Elisa Kva qui va prendre le temps. On est à la 57e, 5e réalisation. Il y en a qui font quelques éclairs, on voit quand même de belles choses. Et de déborder et de revenir.
Mais, allez, bon, vous voyez, je dis cela à l'étonne. J'ai des ballons aussi pour soulager, n'hésite pas. Allez, voilà donc une sortie de mêlée. Qui joue avec Louisa. Voilà, alors Isaac Louisa qui est formidable là, sur cette. Ah, oui, mais bon. Et... oui, et malheureusement, son enthousiasme. Mais enfin, bon, vous voyez, on remarque d'autant plus ce qu'elle fait qu'elle a peu de. Et là, regardez son beau service et la rapidité. Oh, oh, très belle passe, très belle passe. Voilà, mais là, la passe a été bien gentille, mais elle a reçu. Il faut dire à Alice, Manu, dis à Alice qu'elle fasse plus de départ, qu'elle, juste que pendant 5 minutes, elle ne fait que des passes. Okay, Laura récupère et rentrera à ballon. Allez, là on va. Regardez un petit peu ce cœur que met. Ah, mais oui, Louisa, mais bon, voilà, ça c'est un petit peu. Bien sûr, la contrepartie, il faudra qu'elle apprenne à garder le ballon. Elle a perdu à chaque fois. À chaque fois, oui. Ah, voilà, la joueuse. C'est Noémie Samuel qui est sur le numéro 7. Non, c'est pas mal. Pas de soucis. Mais c'est vrai que nos joueuses, vous voyez, mettent de la générosité, mais il manque quelque part une continuité collective. Recharge ses deux. Un peu de lucidité par moment. Oui, bien, absolument. C'est à dire choisir le bon tempo. Attaque, Tourine, attaque. Voilà, là c'est bien. Là c'est bien. Là c'est bien. Voilà. Et bien, pour une fois, et ça conduit à l'essai. Et voilà. Voilà, des passes dans le bon tempo. Et on a un essai avec lui. Comme dire le deux troisième. Moi pour le travail, on fait juste 50 secondes de ligne. Mais... Sortir de son camp proprement. Allez, il a pas de voix. Pas de main. Surtout, ne perds pas le ballon dans le passage. Emma est pour rentrer. Ah, oui. Emma est pour rentrer ou pas, Emma? Il a fait son job, hein? Ah, oui, non, mais tout à fait. Jean de Bernard. C'est hein? J'ai pas entendu, Manu. Il y a 13. Oui. Ah, c'est ça, j'ai pas ce qu'elle pouvait. Garder le ballon. Elle a hésité. Et alors que je suis en face, je sur elle et. Sa copine a pris le ballon en même temps qu'à la défense. Voilà. Là, effectivement, on a utilisé. Ça repart à 0. Oui, ça repart à 0, bien sûr. Voilà. Et voilà Manon qui mène la charge. Allez, les filles. Allez. Nous revoyons à 40 mètres. Voilà, Louisa. Voilà, formidable comme elle peut passer entre les joueurs. Aïe. Allez. Eh bien, peut-être que. Cet essai là tout à l'heure a sonné la charge des. Allez. Après tout, il faut marquer 3 essais. 3 essais, c'est. Ça se fait. Hein. Regardez un petit peu la façon aussi dont. Cette belle charge. Donc, belle Alverne. Elle montre aussi le chemin. Elle est quand même une première de l'équipe. Voilà. Là-bas. Aïe, ça se gâte. On récupère le ballon sur le. Sur un en avant, après, donc il n'y a pas que les escuriennes qui font des en avant. Allez. Là, les filles, si ça conclut, encore donc. Voilà, on voit cette capacité destructrice, hein, alors qu'elle a une puissance terrible, alors qu'elle n'est pas d'un gabarit exceptionnel, mais sa vitalité est formidable. Et ici, là vraiment, si on joue dans le. Oui, et peut-être.
Allez, allez. Maintenant, après avoir fixé tes 4 minutes de fois, il n'y a pas, au centre du terrain, on peut élargir. De suite. Voilà. Ah, là, évidemment, là. Ah, oui, bien sûr, elles ont vu la dangerosité de là. Appel, Jeannot ! Servez là-bas. Ah, qu'est-ce qui se passe ? Oh, c'est très confus, là. Il y a, voilà, mais bon, sur les plaquages sévères, ben, il y a des pertes de ballon. Puis, malheureusement pour les Espagnols, le ballon revient dans les bras catalans. Et on entend l'entraîneur, Emmanuel, qui bloque, qui demande une défense sévère. Oui, regardez comment cette joueuse, et encore une fois, Lisa, Dorine. Il y a beaucoup de mouvements. Attends, t'as gagné la sortie. Voilà, le regret que l'on a pour le moment, hein, côté carnet, c'est. Recule, Pauline ! D'avoir été un petit peu improductif par quelquefois précipitation. Regardez là comment la Catalane a très bien fixé avant de passer. Donc, Manu, porte-la ! Elle était attendue au passage. Porte-la, Manu ! Alors là, on est pas sous le ballon. Et regardez, ça va nous donner une repère. C'est pour ce commentaire. Elle va se reconvertir sur les chaînes spécialisées d'ici qu'on la retrouve pour les Coupes du Monde et autres événements. Vous savez, il n'y a pas loin. Et regardez Louisa, fantastique, elle va être reprise là, regardez, elle a enrhumé tout le monde pour un second coup, formidable. Regardez un petit peu, oui, joli, très intelligemment joué, derrière le tenu. Et alors vous voyez, sur une action comme ça, ce qu'on peut, ah oui, Louisa d'ailleurs aussi a une crampe. Là, on peut dire qu'elle a donné. Hein. Ah, allez, oui, pendant ce temps, l'action continue. On a perdu le décompte, mais on pas. Ah non. Évidemment, on était à 5e tenue, mais là, on a donné le ballon dans les bras de la défense catalane. Il n'en demandait pas tant. Il y a des escurriens qui vont défendre à 12, hein, parce que Louisa ne s'est pas remplacée. Oui, oui. Et là, effectivement, on aurait pu penser qu'au moins, là, après, quand la défense est sur une ligne si proche, qu'après la 5e tenue, il y a au moins un coup de pied en hauteur qui permette aux attaquantes d'aller dessous, hein, de revenir. Tandis que là, un coup de pied à hauteur d'homme, eh bien, fait que les filles ont reçu le ballon dans les bras. Alors regardez encore ici Borac qui, pour une fois, Manon Samara qui fait des ravages, et Manon qui est là pour dire stop. Manon Samara qui joue à l'arrière aujourd'hui, hein, oui, mais qui joue des pompiers un peu partout, hein, des passes. Hein. Ah, il y a des filles là, hein. Non, c'est bon. Oui, on le prend. Ah, Jeanne qui est aussi une fille, une joueuse racée, hein. Une joueuse d'expérience, hein. Oh, là, il y a. Voilà, tu vois, c'est mieux de. Bon.
Mais j'aurais tapé plus latéralement de façon à permettre à ma défense d'arriver sur la formation ici. Voilà, c'est un point sur lequel on n'est pas très efficace. Qui est en bas et donc du bras libre, elle a pu passer, et ça fait un mètre de plus. Et voilà. Et puis alors là, cette souris, et voilà. Je vais la plaquer et donc c'est comme ça qu'on se construit aussi. Hein, voilà. On serait, je crois, là on est dans les 4 ou 5 dernières minutes. Voilà, bonne intervention. Allez, il y a des joueuses puissantes là au centre qu'on va défiler. Il y a aussi donc. Bien sûr, il y a Borac, mais il y a la fraise aussi catalane, Bessaline, hein, avec une fille extrêmement costaud. Il y a même également Gerzheim. Bien, c'est deux! C'est Maillard, frère? Oui, absolument. Donc, on essaie de. Voilà, alors là, voilà, sur un ballon bien écarté comme ça, il y a la place du. Elle revient vers le terrain. Est-ce qu'elle va pouvoir aplatir? Est-ce qu'elle est derrière la ligne? Non? Allez, peut-être en faisant jouer Louisa qui est revenue. Mais il faudrait qu'elle ait un peu plus de champ. Et non, malheureusement, là, il y avait encore beaucoup de défense. Sean, allez! Mais une fille comme Louisa a Elisa, mètres, de peut... suite, de oui, suite. Oui, si on sert. Ah oui, là, véritablement. De heureusement qu'elle peut servir avant d'être prise. Parce que, allez, oui. Ah, ma part, on ne peut pas être enlevée, là. Ah, c'est bon. C'est fort dommage pour l'Espérienne de n'avoir pu conclure au troisième essai, là. Il y aurait, ma foi, un petit peu amélioré leur lumière. 30 à 10 pour les visiteuses. Avouons-le, le mérite tout à fait ce score. On reflète la partie à ceci près que, voilà, au début de partie, les Nestoriennes n'ont pas saisi leur meilleure chance. Leur meilleure chance. En tout cas, mesdames et messieurs, vous qui nous avez suivis, hein, qui êtes